Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour votre vie, pour l'œuvre qu'il accomplit dans la vie de chacun de vous. Ce jour, c'est un jour nouveau qui est arrivé. Nous avions pris congé. Nous sommes assez reposés. Il est temps que nous puissions continuer. Et vous savez très bien que nous sommes dans une série d'enseignements. Série d'enseignements sur les 7 aspects doctrinaux et prophétiques du trône de Dieu selon les dispensations. Les 7 aspects prophétiques doctrinaux du trône de Dieu selon les dispensations. Et la dernière fois, l'enseignement que nous avions fait portait pour titre les réalités invisibles et visibles de la divinité suprême du Christ selon les dispensations, ou les réalités de la divinité suprême du Christ dans les régions invisibles et visibles selon les dispensations. Vous aviez compris que Jésus est Dieu et que le Christ est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, respectivement à ces 3 grandes régions qui sont le monde surnaturel où le Christ est Père depuis l'éternité, le monde spirituel où il est Fils de Dieu, Dieu en esprit, régnant au troisième ciel, gouvernant sur le monde spirituel, le monde physique. Alléluia. Et le trône de Dieu dans l'homme intérieur, dans le parvis, dans le monde physique, dans la terre, qui est composée du monde spirituel et du monde matériel. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle saison. Acclame Jésus. Saison de gloire. Saison de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le thème sur lequel nous allons vraiment s'entretenir est intitulé comme suit. C'est toujours concernant la 7e partie, parce que nous sommes à la 7e partie de notre longue série d'enseignements sur les 7 aspects prophétiques et doctrinaux du trône de Dieu. Donc, le sous-titre d'aujourd'hui est encore des sous-thèmes, une série de sous-thèmes qui vont corroborer, accompagner le thème initial. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à parler de l'échelle de Jacob. Amen. L'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob. Gloire à Jésus. Alléluia. L'échelle de Jacob. Amen. Et le sous-titre provenant du premier niveau de ce titre est intitulé comme suit, ce que nous allons aborder. De la prière à la prophétie. Dans les régions invisibles et visibles des dispensations, selon l'échelle de Jacob. De la prière à la prophétie, des régions invisibles ou visibles et visibles, selon l'échelle de Jacob. Alléluia. Amen. Dans les dispensations. Nous allons commencer d'abord par la prière, atterrir sur la prophétie. C'est des enseignements très spirituels. Je vous le dis en vérité, c'est des lois spirituelles du royaume de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, ma mission, c'est de révéler les lois spirituelles du royaume de Dieu à l'Église. Et ces lois spirituelles sont enseignées par la révélation profonde des mystères de la parole de Dieu. Nous savons très bien que nous ne sommes pas sous des lois charnelles, des jougs, et que nous sommes dans la loi de la liberté en Christ. Mais le Saint-Esprit est le régime fonctionnel de l'œuvre de Dieu dans ce temps de la grâce. C'est pour cela que les lois sur lesquelles nous marchons dans le royaume de Dieu sont des lois spirituelles, essentiellement spirituelles. En tant que docteur, notre mission est d'enseigner les lois spirituelles. Amen. Nous ne sommes pas docteurs de la loi de Moïse, nous ne sommes pas docteurs de la loi des hommes, des traditions d'hommes, des dénominations. Nous n'enseignons pas la loi des églises, les doctrines des églises, mais nous enseignons le royaume de Dieu basé sur la loi du Saint-Esprit gouvernant sur le monde spirituel et conduisant tout homme dans le monde physique à être agréable à Dieu par la foi, dans la sainte doctrine, dans la vérité,
dans la justice et dans l'organisation suprême du royaume de Dieu sur terre. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je suis en compagnie du le docteur Daniel. Acclame le Seigneur pour sa vie aussi. Il sera avec moi pour la lecture. Voilà. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Donc, en réalité, nous parlerons du fonctionnement spirituel et surnaturel de la prière à la prophétie, de l'exercice de Jacob dans les régions invisibles et visibles des dispensations. Gloire à Jésus, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Seigneur, qui sommes-nous pour avoir part à ces délices du royaume? Seigneur, tu dis, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses vous seront données par-dessus. Nous ne sommes pas parmi ceux qui ont compris l'essentiel des lois du royaume que tu nous as données. Tu dis, les choses du royaume ne sont pas données aux sages de ce monde, mais elles ont été données à tes enfants humbles de cœur qui te cherchent. Je prie que tu me remplisses encore de ta science, de ta grâce, de ta présence, de la profondeur des Écritures, afin de sortir l'esprit de vérité, de révélation, car la lecture met l'esprit vivifie. Seigneur, nous voulons voyager dans les Écritures. Seigneur, nous prenons le décollage. Nous voulons explorer dans ta parole. Nous voulons explorer ta parole, entrer dans les dimensions. Seigneur, tu nous dis dans Éphésiens 3 de connaître Christ. Et que Christ soit fondé dans nos cœurs. Et que l'homme extérieur soit brisé, que l'homme intérieur se renouvelle en Christ. Afin que Christ soit fondé en nous, que nous puissions le connaître en largeur, en hauteur, en longueur et en profondeur. Jésus, nous voulons te connaître dans toutes les dimensions. Seigneur, aide-nous à utiliser les quatre langages de la parole pour communiquer ta science, ta parole, pour l'édification des saints. Que la chair soit bannie et que l'esprit de gloire, l'esprit de vérité, l'esprit de Christ agisse pour l'édification du royaume de Dieu sur la terre, de l'église qui se prépare à la rencontre de l'époux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus. Je vous le rappelle, je suis votre bien-aimé, le docteur Silas. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Donc, comme nous l'avons dit, nous allons parler de la prière à la prophétie, c'est-à-dire de la prière à la prophétie. Le processus qui se passe depuis la prière à la prophétie, selon l'échelle de Jacob. Gloire à Jésus. Maintenant, nous ne pouvons pas parler de la prière sans toutefois expliquer en quelques résumés des bases bibliques doctrinales de la prière. Parce que c'est Jésus lui-même qui a institué la prière. Et la prière existait même avant la venue de Jésus-Christ. Nous allons mieux comprendre. Prenons le livre de Matthieu 7, 7. Je lis le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 16, au nom de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. La prière est une demande faite à Dieu au sujet d'un besoin moyennant exaucement. La prière, c'est une demande liée à un besoin qui se fait sentir sur l'homme. Une prière est une demande dans l'assurance que l'homme fait afin d'avoir une réponse, un exaucement de la part de Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Jésus va dire, demandez et l'on vous donnera. Tous les hommes demandent. Tous les hommes font des demandes à Dieu. La prière, comme je l'ai dit, c'est une demande qui vient à un moment où
L'humanité a soif de la divinité. Tout humain a soif de la divinité. C'est pourquoi nous voyons que même ceux qui n'ont pas reçu Jésus ont une communion avec des dieux. Parce que tout homme a soif de Dieu. Parce que l'homme est un esprit. Même si l'esprit n'a pas encore été régénéré par Jésus-Christ, l'esprit de l'homme a soif de Dieu. C'est pourquoi tout homme ayant des difficultés se voit inférieur, incapable de résoudre à lui-même ses propres besoins, ses propres situations, ses propres problèmes. Et c'est pourquoi l'homme se voyant incapable, se voyant, voyant une impossibilité à lui-même d'avoir satisfaction à ses besoins, se tourne vers une divinité. Mais dans le cas particulier où nous sommes des croyants, des chrétiens, nous croyons en Jésus. C'est pourquoi notre prière n'est pas faite à l'endroit des divinités endogènes, des divinités païennes, des divinités de ce monde spirituel qui n'a pas encore reçu Jésus. Mais notre prière est faite à l'endroit de Dieu qui a donné son Fils unique Jésus-Christ. Parce que nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur. Donc nous sommes des chrétiens, nous prions Dieu. Mais en réalité, c'est Jésus qui est le pont, qui est le point central de notre invocation. Parce que quand on parle de prière, on parle d'invocation. Et l'Écriture dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui. En réalité, ce Seigneur, c'est Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc ici, dans ce cas, Jésus lui-même va définir comment ça se passe. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La prière est une demande. La prière est une recherche. La prière est le fait de frapper la porte de Dieu pour avoir l'ouverture. La prière, c'est une demande qui moyenne l'exaucement d'un besoin et aussi la recherche de l'accomplissement des bénédictions, de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie. Dieu a déjà tout accordé par Jésus-Christ à la croix. Mais malgré ça, nous devons prier. Nous devons prier, c'est important. Parce que tout homme a besoin d'adresser à Dieu ses besoins. Que la gloire soit rendue à Jésus. Amen. Donc cette prière, c'est une prière qui se fait avec assurance et qui est adressée au Père. Philippiens 4, 6. La Bible dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Alléluia. Avec des actions de grâce. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Voilà ce que le Seigneur nous dit au travers de l'apôtre Paul ici. Ne vous inquiétez de rien. Vous, chrétiens, le Seigneur ne veut pas que l'inquiétude soit nommée au milieu de vous. Mais en toute chose, en tout moment, faites connaître vos besoins. La prière est l'acte par lequel nous faisons connaître à Dieu nos besoins. Nous approchons de Dieu pour lui exposer nos difficultés, nos situations préoccupantes, tout ce qui trouble nos pensées, tout ce dont nous avons besoin. Et ce n'est pas toujours quand nous avons besoin de quelque chose que nous devons prier, parce que la prière devient comme un contact avec la divinité. Et tout homme, comme je l'ai dit au début, a soif d'être en communion avec Dieu. Parce que même si nous voyons que nous n'avons pas des besoins actuels, l'Esprit de Dieu lui-même connaît nos besoins plus que nous. C'est pourquoi avant même de prier, ouvrir nos bouches, Dieu lui connaît nos besoins. C'est pourquoi nous devons être conduits par l'Esprit pour que les besoins indispensables à notre esprit, Dieu nous les communique par révélation en nous pour que nous puissions les transmettre à Dieu. Donc, normalement, la prière, c'est exposer ses besoins à Dieu. Mais ce n'est pas toujours quand je suis malade, je vais prier. Quand j'ai besoin d'emploi, je vais prier. Quand j'ai besoin du Saint-Esprit, je vais prier. Non, ce n'est pas des conditions qui nous sont imposées que nous prions. Mais c'est parce que la prière est pour nous une obligation.
Même si je vois que je suis bien, je suis stable, je suis heureux, je dois toujours prier pour ne pas tomber dans la tentation. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Dieu aime qu'on le supplie. Dieu aime qu'on le prenne comme un père. C'est pourquoi Jésus disait à son départ, lorsqu'il voulait être enlevé au ciel, il disait, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi, nous sommes comme des... je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est comme un père qui veut quitter ses enfants, mais qui laisse le Saint-Esprit pour jouer le rôle qu'il avait joué sur terre. Jésus sur terre était comme le père des disciples. En réalité, ce Jésus qui parlait avait lui-même un père. Mais il dit, je retourne à mon père. Moi, je retourne à mon père pour ne pas être toujours sur terre avec vous. Maintenant, quand moi je vais quitter, vous serez orphelins, comme si vous n'avez pas de père. Mais en réalité, je vous donnerai un autre esprit qui sera votre consolateur, qui jouera le rôle de mon père en vous. Et vous verrez ma gloire. Alléluia. C'est pourquoi la prière est très importante et devient une communication avec le Saint-Esprit. Et Dieu veut qu'on l'adresse en tout temps des supplications. Même si le Saint-Esprit est dans la terre à la grâce, à la dispensation de la grâce, même si nous sommes à l'ère de la grâce, la prière continue d'être obligatoire. Gloire à Jésus. Alléluia. Avec des actions de grâce, nous allons parler de ça et dans l'enseignement. Maintenant, Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous... Alléluia. Alléluia. C'est ce verset, un verset vraiment fondamental. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui commandons le Seigneur. Parce que beaucoup, quand on prie, on parle de la prière, beaucoup pensent qu'on donne de l'ordre à Dieu. Ne croyons pas que nous ordonnons à Dieu. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Le but de la prière est que tout homme porte des fruits. Amen. Gardez ça au début de cet enseignement. Le but de la prière est de porter des fruits. Pourquoi nous prions? Nous prions pour porter des fruits. C'est pour dire, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Nous devons porter du fruit. Et le but fondamental de la prière, c'est le fruit. Le fruit dont nous parlons ici est la conséquence de la prière. C'est-à-dire, ce que génère la prière, la bénédiction de la prière, ce que nous recontons lorsque nous prions. C'est là que nous voyons que la prière devient une semence. Si l'Écriture dit que nous devons porter des fruits, du fruit, cela veut dire que nous ayant été établis par Dieu, nous allions pas pour nous reposer. Il dit pour que vous alliez, mais il n'a pas dit ce que nous allions faire. En réalité, nous allons plutôt prier. Prier pour, dans le but de faire quoi? De porter du fruit. Cela veut dire que la prière est une semence qui doit porter des fruits. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom. Ici, Jésus est en train de donner la ligne directive de la prière. C'est au Père nous prions. C'est à Dieu le Père que nous adressons nos prières. Ce n'est pas d'abord Jésus homme. Vous comprenez très bien. Ce n'est pas Jésus dans le sens où nous savons que Jésus est Dieu, oui. Mais dans l'ordre doctrinal, c'est au Père que nous prions. Vous le savez très bien. C'est à la paternité. C'est à la divinité paternelle que nous adressons nos prières. Jésus est Dieu, il est le Père, oui. Il reçoit nos prières. Mais en réalité, nous savons que quand nous prions, le Père, c'est Jésus. C'est à Jésus que nous prions aussi. Mais nous savons que c'est le Père. Nous nous adressons à notre Père. C'est comme un fils qui a un Père. Si le fils demande
du pain au pain, est-ce que le pain va lui donner du serpent, du caillou? Non. Donc, celui à qui nous prions, c'est le Père. Et c'est lui notre Dieu. Alléluia. Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, dans le principe de la prière, tout ce que nous demandons à Dieu au nom de Jésus. Parce que l'Écriture dit que Aignan s'était rendu humilié, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Même Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom. Mais quand nous prions, nous savons que c'est le rang du Père, c'est le Père qui reçoit la prière, mais au nom de Jésus. Parce que Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. Donc c'est Jésus qui valide la prière, qui accomplit la prière, qui fait tout. Sinon, c'est le Père qui reçoit la prière, qui transmet les bénédictions. Mais Jésus est celui qui valide vers la fin pour l'accomplissement des bénédictions. Sinon, comme je l'ai dit, aucun blocage ne peut empêcher le Père de nous exaucer. Quand nous prions, le Père, il nous bénit, il nous exauce. Ça, c'est en même temps. Si nous prions là, le Père nous exauce. Le Père nous répond en même temps. Si nous respectons les principes du royaume, le Père nous répond. Gloire à Jésus. Et nous donnons le fruit de la réponse. Gloire à Jésus. Donc, comme nous l'avons dit, la prière est une semence que l'on sème et qui doit porter des fruits. Donc, c'est ça le principe, le royaume, la loi du royaume. Ça, c'est la loi de la semence. Nous sommes en train de parler de la loi de la semence. C'est la loi spirituelle. Hein. C'est pourquoi on vous dit que la sainte doctrine, c'est la loi spirituelle. La sainte doctrine n'est pas une liste des lois. La sainte doctrine n'est pas, c'est-à-dire, des ordonnances charnelles. Mais la sainte doctrine, c'est des ordonnances spirituelles. Des lois spirituelles, des enjeux spirituels, des réalités spirituelles, des fonctionnements invisibles basés sur la spiritualité en Jésus-Christ. Amen. Comment nous devons être en contact avec Dieu dans la vie de justice? Parce qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Or, le royaume, c'est l'univers, le domaine de définition dans lequel nous appliquons les lois spirituelles. Or, la justice qui est liée au royaume, c'est les lois spirituelles. La justice de Dieu n'est pas les lois de Moïse. La justice de Dieu n'est pas les lois que l'homme lui-même s'établit pour respecter. Mais la justice de Dieu, c'est la loi que donne le Saint-Esprit. C'est la liste des lois que le Saint-Esprit donne pour que nous puissions les appliquer. Celui qui cherche le royaume est celui qui obéit aux lois spirituelles du royaume. Toi, Dr. Daniel, tu marches selon l'Esprit. Le Saint-Esprit te donne ses lois spirituelles. Moi, je marche selon l'Esprit par rapport à ma communication avec le Saint-Esprit. Il me donne aussi les lois spirituelles. Et parfois, on peut voir que c'est les mêmes lois spirituelles, mais qui peuvent se diversifier en fonction des saisons, des époques de dispensation de chacun, particulièrement au temps où nous devons rencontrer la divinité. Amen. Cela veut dire que dans la même période, les lois spirituelles que Dieu donne sont les mêmes lois, mais ça peut varier. Je ne peux pas forcément avoir la même loi spirituelle, pratiquer plus la même loi spirituelle avec Dr. Daniel. Parce que Dr. Daniel, peut-être, lui attend la loi de la multiplication. Lui attend de pratiquer la multiplication. La multiplication, c'est quoi? Ça, c'est la saison de la récolte. Voilà. Où le fruit est multiplié. Nous parlerons de ça dans le centuple. Amen. Lui attend la multiplication. Moi, je suis dans la semence. Est-ce que je vais imposer à Dr. Daniel d'obéir à la loi de la semence pendant que lui attend accompli la multiplication, accompli plutôt une loi qui lui donne l'accomplissement de la multiplication? Non. Moi, je ne peux pas, pendant que moi je devais semer la prière, je ne peux pas attendre la récolte en même temps que je prie. Parce que chaque chose dans les temps prophétiques, dans les dispensations spirituelles, ont les saisons. Et chaque saison a des lois spirituelles, des principes de fonctionnement spirituel du royaume de Dieu que chaque enfant de Dieu doit discerner. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, discernez les temps et les circonstances et sachez à quel temps nous sommes. Ah, amen. Nous allons comprendre la nuit, le soir, nous allons comprendre l'aurore, nous allons comprendre l'aube, nous allons comprendre la rosée, nous allons comprendre plusieurs choses. Acclame Jésus. Amen.
C'est ça qu'on appelle la sainte doctrine. La sainte doctrine dont nous parlons là, c'est le Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu doit avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Plus tu as une intimité avec le Saint-Esprit te donne les lois spirituelles du royaume de Dieu. Et tu marches sur ces lois et tu verras Dieu t'accompagner dans la vérité, dans la justice. Alléluia. Dans la loi de Moïse, c'était des lois charnelles. Mais en réalité, ces lois charnelles n'avaient pas banni le principe spirituel de Dieu. Les hommes utilisaient les lois charnelles pour atteindre l'accomplissement des lois spirituelles. Ce qui était impossible. Parce que les sacrifices devaient produire des fumées allant à Dieu. Les lois spirituelles étaient que nos prières doivent monter à Dieu. Mais en réalité, le moyen utilisé dans la loi de Moïse était un moyen charnel. Sinon, les lois demeurent intactes, spirituelles dans l'ancienne alliance, spirituelles dans la nouvelle alliance. Selon que ce qui est différent, c'est que dans l'ancienne alliance, tout était fait de manière charnelle. Ce qui empêchait la divinité d'obéir et d'exaucer à la manière parfaite de la justification de la foi. Avant, tout était basé sur la justification par la loi de Moïse, par les ordonnances charnelles. Aujourd'hui, tout est basé par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc, le juste est soumis aux lois spirituelles par sa foi. Que la gloire soit rendue à Jésus. Acclame Jésus. Donc, celui qui doit prier doit faire quoi? Doit avoir la foi. Amen. Il doit savoir qu'à chaque saison de dispensation divine dans notre vie, dans la vie de chacun, il y a des lois spirituelles. Il y a des principes du royaume de Dieu que nous devons vraiment appliquer. C'est pourquoi quand Jésus parlait dans les évangiles, on voyait un Jésus qui parle de saison. Parfois, il dit à l'époque de la moisson, à l'époque de la récolte, à l'époque de la réformation, au temps du midi, la reine de midi, il utilise les saisons. Chaque individu qui croit en Jésus, qui devient chrétien, qui marche en Christ, doit connaître les saisons spirituelles, prophétiques et doctrinales de l'œuvre de Dieu dans sa vie personnelle. Pour connaître à chaque saison quelle loi respecter spirituellement pour pouvoir avoir l'adhésion, l'accord du monde spirituel de Dieu pour les ossements de ses prières. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement clair. Aussi, moi, je prends cette loi, j'impose à tout le monde. Je prends la loi que je travaille dans une saison, j'impose à tout le monde. Est-ce que cela va marcher? Parce que chaque chrétien a son intimité avec le Saint-Esprit. Et à chaque saison, Dieu opère d'une manière différente. Dans la dispensation de la grâce, nous sommes dans la même saison. Ça, c'est la dispensation divine qui concerne le temps doctrinal dans lequel nous sommes. À part cette dispensation de la grâce, chaque chrétien a des saisons particulières, des moments d'intimité avec Dieu. Et je dois connaître mon matin, je dois connaître mon aurore, je dois connaître mon midi, et connaître mon soir, connaître ma nuit, et connaître quand est-ce que les anges opèrent spirituellement dans des dimensions données, quand est-ce que, ça c'est intime, et nous n'avons pas enseigné l'intimité que chacun, nous n'avons pas à expliquer comment chacun va avoir son intimité avec Dieu. Mais nous donnons plutôt des règles spirituelles pour permettre à chacun, à chaque chrétien, d'avoir une intimité avec Dieu, d'utiliser la parole, la sainte doctrine, pour comprendre comment Dieu opère. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Donc cet enseignement, c'est les lois spirituelles du royaume de Dieu qui s'appliquent à tous. Et chacun doit identifier sa saison, la saison à laquelle il est actuellement. Donc, ça, c'est la loi de la semence. Amen. Où on sème pour récolter après. Et lors de la récolte, on parle de la loi de la multiplication. Parce que ce que tu sèmes, le grain que tu sèmes meurt et donne un germe qui fleurit. Et lorsque ça fleurit, après, le fruit, il porte fruit. Mais ce n'est pas le seul. Parce que tu as planté plusieurs grains qui vont donner plusieurs fruits. Peut-être que tu as mis un grain à terre, ça te donnera 100 fruits. Ça, c'est la multiplication. Donc, nous parlons de la loi de la semence dans la prière et de la loi de la multiplication lors de la bénédiction. Voilà comment Dieu opère. Il opère dans la semence et de la récolte. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus. C'est la sainte doctrine de Jésus-Christ. C'est ça la sainte doctrine.
C'est bon? Voilà, demander, c'est le Père qui donne, comme je l'ai dit. Maintenant, nous venons maintenant Matthieu 13, verset 4 à 8. Cette parabole de Matthieu 13, verset 4 à 8 a été interprétée par connaissance par plusieurs enseignants, plusieurs serviteurs de Dieu depuis des temps jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mais nous sommes des enseignants de la parole. Nous devons utiliser les quatre langages de la parole. La révélation, la prophétie, la connaissance et la doctrine. Révélation, connaissance, prophétie, doctrine. Alléluia. Nous allons identifier le langage dans lequel Jésus a parlé. Et nous allons utiliser un langage pour interpréter ce que Jésus a dit. Que la gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Jésus. Amen. C'est... Un semeur sorti pour semer. Très bien, ça c'est la parabole basique de notre enseignement. Amen. Mm-hmm. Je commence à parler du verset 3. La Bible dit ceci. Il parla en parabole sur beaucoup de choses. Parabole sur beaucoup de choses. Jésus a pris le temps en parlant des choses du royaume des cieux en parabole. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu pendant qu'il était né sous la loi, opérant sous la loi de Moïse, lorsqu'il était venu pour le salut de l'humanité. Mais l'Écriture dit, il dit, après que je vous donnerai le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vous enseignera toute la vérité. Quoi qu'il donnait des paraboles, ce n'était pas encore toute la vérité dévoilée. C'était encore codé, scellé. Et il va le donner aux fils du royaume, qui sont des enfants devant le monde, mais qui seront appelés grands devant le royaume des cieux. Alléluia. Oui. Donc il parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sorti. Écoutez très bien, un semeur sorti pour semer. Uh-huh. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Ah, le soleil, waouh! Faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montaient et l'étouffaient. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, wow. Un autre 30. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Acclame Jésus. Amen. Cette parabole de Jésus fait partie des grandes réalités du royaume des cieux concernant la prière. C'est le fondement doctrinal que Jésus a posé sur la prière. Nous savons que Jésus est un docteur. Il enseignait ici, mais il utilisait un langage codé. Alléluia. Un langage terre à terre qui était destiné à ceux qui l'entendaient en ce temps. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Nous ne nous attendons pas toujours à être au lait, mais à entrer dans les mystères, dans les profondeurs de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour connaître les profondeurs de Dieu. Sonder les profondeurs de Dieu. Gloire à Jésus. Comme je l'ai dit, cette parabole est très, très précieuse. Et plusieurs l'interprètent à leur manière. Nous n'allons pas les combattre. Non. Parce que c'est une interprétation littéralement biblique. Mais cela ne veut pas dire que c'est cette interprétation qui aborde le côté spirituel de la communication, de la relation de Dieu, du Saint-Esprit avec les hommes. Ce n'est pas cet aspect expliqué littéralement par Jésus qui a bossé ce niveau dont nous voulons parler. Ici, Jésus a parlé par quel langage d'auteur? C'est un langage codé. Donc, c'est par connaissance. Alléluia. Micro. Donc, ici, Jésus parlait par connaissance. Alléluia. Je suis très content. Gloire à Jésus. Donc, Jésus parlait ici par connaissance.
Donc, est-ce que c'est la connaissance qui est le seul langage des langages de Dieu? Dieu a plusieurs langages. Voilà, voilà un docteur de la parole. Amen. Donc, gloire à Jésus. Amen. Nous voyons ici que quand vous voulez méditer la parole, ne vous arrêtez pas sur un langage. Sinon, vous allez dérailler dans les Écritures. Vous allez mal interpréter la parole de Dieu. Oui, ce que Jésus disait était vrai. C'était la vérité. Selon ce qu'il disait. Mais lorsqu'on entre dans le domaine du Saint-Esprit, pour nous aujourd'hui, nous allons entrer dans quel langage pour expliquer ce que Jésus disait. Nous entrons dans le langage de la révélation. Acclame Jésus. Pour expliquer. Nous entrons dans le langage de la révélation. Amen. Parce que Jésus donnait des choses codées par connaissance. Et les choses étaient telles. C'est pourquoi je dis que les choses par connaissance sont terre à terre. Terre à terre. Et beaucoup disent que non, les docteurs enseignent un enseignement très compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Non. Parce que le Saint-Esprit même est compliqué. Le Saint-Esprit que nous avons est même compliqué. C'est pourquoi on dit que Dieu se cache pour se révéler. Dieu, il faut sonder Dieu. Mais la chair ne peut pas sonder les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit qui sonde Dieu. C'est pourquoi soyez versés dans les Écritures. Vivez une vie de méditation constante de la parole pour suivre la ligne doctrinale, pour suivre les enseignements, pour comprendre au fur et à mesure ce que le Saint-Esprit enseigne par les docteurs. Gloire à Jésus. Alléluia. Que la gloire soit rendue encore à Jésus. Alléluia. Donc, Jésus a parlé par connaissance, mais nous allons parler par révélation. Par révélation. Amen. On va voir comment Jésus a interprété par connaissance. Alléluia. C'est ça les choses du royaume. Amen. Alléluia. On est en train de voyager. Allons-y voir comment Jésus a parlé par connaissance. Et Jésus a interprété la parabole. Il dit, c'est où maintenant? À partir de verset 10. Voilà, il dit, voilà, lisez. Voilà, 18. 18. Voilà. Matthieu 13, 18. Lisez. Je lis le livre. Voilà l'interprétation. Jésus est un docteur. Jésus a interprété. Premièrement, on peut dire qu'il a parlé pas comme prophète. Il a juste donné l'inspiration. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a parlé comme docteur pour interpréter l'inspiration. Oui. Amen. Je lis le livre de Matthieu 13, le verset 18. La Bible nous dit ceci. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. Voilà. Jésus appelle la semence comme la parole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia, amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus a parlé par connaissance. Sens. Il a parlé par connaissance. Amen. Et c'est des mystères cachés. Alléluia. Qu'il divulguait plutôt. Il a expliqué, oui, selon le temps où il était. Il était venu dans le temps du salut selon Dieu et dans le temps de la loi selon Moïse. C'est quoi, c'est ça? Il n'a pas encore accompli toute la loi à la croix. Et le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Comme je l'ai dit. Oui, la parole est la semence. Et Jésus a donné la ligne descriptive par rapport, par laquelle est expliqué le niveau d'influence de la parole par rapport à chaque type de semeur. Ou par rapport au semeur
qui sème à, c'est à 4 reprises, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais quand nous entrons dans la révélation, la semence n'est plus la parole. Amen. La semence n'est plus la parole. Oh, Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Jésus, c'est le même Jésus qui interprète la Bible comme ça. C'est pourquoi Jésus est un enseignant de la parole. Amen. Il a interprété par connaissance. Mais aujourd'hui, il nous utilise à l'interpréter par révélation. Ce n'est même pas la prophétie, ni la doctrine d'abord. La doctrine, nous allons la comprendre dans l'enseignement. Alors, si nous entrons dans la révélation, la semence n'est plus la parole, mais la semence est la prière. Yeah. Ah, ça commence à changer. Amen. Lorsque la prière est faite, c'est une semence que l'homme plante sème à terre. Donc, ce n'est plus la parole, simplement, c'est la semence qui tombe. Et cette semence doit tomber sur une terre fertile. Voilà. Une terre est agréable. Une terre qui a besoin d'être arrosée, défrichée et préparée pour qu'il y ait une fertilisation de la semence. Donc, nous comparons par révélation la semence à la prière à la semence. Donc, tout homme qui prie est en train de faire une semence. Donc, la prière que tu as fait ce matin-là, après-midi, ou que tu as fait hier, tu as fait une semence. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Donc, quand tu pries, tu es en train de faire une semence. Maintenant, on doit connaître la couleur de la semence. Quel type de semence tu sèmes? Quel type de prière fais-tu? Jésus a montré les 4 niveaux de la parole dans la vie de la personne qui sème. Et la personne qui sème reflète 4 vies qui se basent sur la manière dont la parole, qui est la semence, a été projetée à terre. Et sur quelle terre cette parole a été mise? Nous voyons comment il a décrit les choses. Mais si nous entrons dans la révélation et que nous disons que c'est la parole, et la prière plutôt, qui est la semence, cela veut dire que de la même manière que parmi les 4 types de terres sur lesquelles la parole a été mise, qu'il y avait une seule terre agréée par Dieu, une seule terre qui a reçu la parole, la semence dans de bonnes terres, nous entrons, en entrant dans la révélation, nous comprenons que c'est de la même manière qu'il y a parmi les 4 types de terres qui reçoit la semence, il y a une seule terre dont la semence porte de fruits qui est agréée par Dieu. Amen. Cela veut dire que quand on quitte la connaissance, on est dans la révélation, c'est le même principe de travail. C'est le même principe d'enseignement. Seulement que ça, les interprétations et les symboles sont différentes. Mais on utilise les symboles pour juste représenter les choses qui étaient dites dans la connaissance. Alléluia. Ce que Jésus a dit en parlant de prière, de semence qui est la parole, pour nous, ce qui nous a enseigné par révélation, encore, c'est la prière. La prière. Gloire à Jésus. La prière est la clé du royaume de Dieu. La loi spirituelle qui ouvre les portails du royaume de Dieu, c'est la prière. Acclame Jésus. Le royaume de Dieu, nous devons connaître les lois du royaume. Gloire à Jésus. Donc, l'homme fait 3 types de prières qui ne sont pas agréables à Dieu. 3 types de prières qui ne tombent pas sur de bonnes terres. Mais parmi ces 4, il y a une seule prière qui tombe sur de bonnes terres, que Dieu agrée, que Dieu reçoit, et qui porte beaucoup de fruits. Qui porte 100, 60 et 30 fruits. Gloire à Jésus. Donc nous allons commencer par interpréter par révélation. Toutes les prières dont nous parlons ne montent pas au ciel. Parce que certaines sont mal réalisées. C'est-à-dire, la semence n'a pas été sémée sur de bonnes terres, favorables à la récolte. Si tu sèmes sur une mauvaise terre, lorsque le temps de la récolte arrivera, même tu ne pourras pas récolter. Mais si tu sèmes sur une bonne terre et que la pluie arrose, lorsque la récolte viendra, tu vas récolter, moissonner assez. Donc, si tu pries, si tu orientes tes prières autrement,
Si les prières que tu fais ne sont pas orientées sur la terre qui doit porter du fruit, tes prières ne seront pas exaucées. Nous allons commencer. On commence par le premier niveau. Il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Voilà. Amen. Maintenant, dans la révélation, nous disons ceci. C'est l'interprétation. Hein. Mm-hmm. Dans la révélation, nous disons que la prière qui est la semence du long chemin est une prière faite par le croyant qui n'a pas la connaissance des mystères du royaume de Dieu. Amen. Il prie, mais n'a aucune connaissance. Quand tu pries sans la connaissance, ta prière est zéro. Parce que tu n'as pas la révélation. Jésus parlait des clés du royaume de Dieu. Il disait à Pierre, à toi je te donne les clés du royaume de Dieu. Il dit aux disciples, je vous donne les clés du royaume de Dieu. Quelle clé peut ouvrir le royaume de Dieu? C'est la connaissance. La Bible dit quoi? Jésus dit dans Jean 17, verset 3, oui. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi seul le vrai Dieu et celui que tu as donné, Jésus-Christ. Amen. Et nous comprenons que ce seul vrai Dieu, c'est Jésus. Oui. Alléluia. Amen. Donc la connaissance de la vie éternelle, c'est une clé du royaume des cieux. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la vie éternelle sans passer par Jésus. Alléluia. Donc tu ne peux pas faire une prière. C'est pourquoi nous disons, nous réitérons que les prières que font les païens, effectivement, sont des prières qui ne sont pas chrétiennes. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu Jésus, ils ne connaissent pas Jésus. Mais Dieu lève sur le méchant ou le bon toutes sortes de grâces. Cela ne veut pas dire que c'est cette bénédiction qui vient de Christ. Non. Mais nous savons que Dieu ne régale aucun homme comme un pur. Parce que Dieu, c'est lui qui a créé l'homme à son image et tout homme a un esprit. Mais la prière agréée de Dieu, qui vient de la bénédiction spirituelle en Christ, est la prière qui vient de la bouche. Quand je parle bouche, je parle des lèvres spirituelles. De celui qui a reçu Christ dans sa vie. Celui qui a été déclaré saint par Christ. Ce qui veut dire que même si Dieu ne te regarde pas comme un pur, mais comme tu n'as pas encore reçu Christ, tes prières ne sont pas spirituelles, ne sont pas agréables devant Dieu. Or, la Bible dit quoi? La foi, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Donc, tes prières ne peuvent pas être exaucées. Mais si tu as agi selon des lois spirituelles, tu vas voir des choses comme si ça marche. Mais malgré ça, tu iras en enfer parce que tu n'as pas encore cru en Jésus. Est-ce que c'est clair? Jésus est alors la connaissance de la vérité. Si tu as la clé de la connaissance, tu ouvres le royaume des cieux. Si tu as la clé de la révélation, tu ouvres le royaume des cieux. Donc, le premier, lorsque lui sème sa semence, la prière, il prie en l'air. Il prie, ne sait pas, il ne prie pas dans le nom de Jésus. Il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas les lois spirituelles. Il ne connaît pas, il ne sait pas qu'il y a une... c'est comme un semeur qui ne sait pas que quand on sème, on doit récolter des fruits. Lui, il va s'aimer parce que tout le monde va s'aimer. Toi, tu pries parce que tout le monde prie. Ta prière n'a aucun fruit. Ta prière ne peut même pas monter. Tu pries parce que ta soeur prie. Tu te dis chrétien, oui, je prie parce que tout le monde prie à côté de moi. Je dois aussi me conformer à eux parce que pour toi, le christianisme, c'est une religiosité. Ta prière ne sera pas exaucée. Tu dois prier en connaissant celui qui, à qui tu t'adresses. Tu pries le Père au nom de Jésus. Et Jésus est le médiateur qui reçoit ta prière, qui transmet au Père. Alléluia. Tu dois reconnaître cela dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit que dans Actes 4, 12, il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous serons sauvés. Aucun autre nom. Parce que c'est Jésus qui est la pierre angulaire. C'est le nom de Jésus qui sauve. Donc le premier, il n'a pas la connaissance du Fils. Or, c'est la connaissance du Fils qui produit la vie. Or, l'eau qui va arroser la semence, c'est la vie, l'eau de vie. Donc le Fils, c'est l'eau de la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu ne peux pas arroser ta terre. Or, quelle est la terre alors? La terre, alors, c'est une
partie de toi qui reçoit les prières, d'où les prières sortent pour aller vers le Père. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Nous allons entrer en profondeur. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le premier, on voit clairement que il n'a pas la connaissance. C'est pourquoi Jésus disait, il disait quoi? Jésus disait, il écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Il ne comprend pas. Il n'a pas la connaissance, la compréhension. Le malin vient, enlève, à cause de son ignorance, le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et nous disons dans la révélation que lorsque cet homme sème la semence qui est la prière, il le fait d'une manière religieuse. Il ne comprend pas pourquoi il prie. Il ne sait pas pourquoi il prie. Il ne connaît pas à qui il prie. Alléluia. Donc la prière étant une semence sur le long du chemin est une prière sans connaissance de la vérité. Une prière inefficace. C'est-à-dire les demandes qui ne correspondent même pas à la volonté de Dieu. Comment quelqu'un qui n'a pas encore été sanctifié par la parole peut prier? Même il va prier, mais sa prière, comment Dieu va agréer sa prière? Or, c'est en Jésus que les lois du royaume ont été révélées. C'est en Jésus que nous avons les clés du royaume de Dieu. Alors, si tu pries sans Jésus, il y a beaucoup dans l'église comme ça. Hein? Ils prient, mais ils ne connaissent pas Jésus. C'est pourquoi nous parlons de qui est Jésus. Alléluia. Amen. Donc, cette prière, c'est une prière qui tombe sur de mauvaises terres. C'est-à-dire des demandes mauvaises qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Cette prière est opposée en même temps par des démons et des esprits méchants. Les esprits méchants viennent ôter cette semence. Lorsque tu fais cette prière-là, tu sèmes cette prière sur la terre, en même temps, les démons viennent enlever parce que tu es possédé. Tu n'as pas encore reçu Jésus, tu es possédé. Si tu n'as pas encore reçu la nouvelle naissance, tu es possédé. Donc Jésus parle ici d'une personne qui n'a pas encore été régénérée par Jésus. Sa terre n'a pas encore été rendue fertile. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, crois en Jésus-Christ et tes prières seront exaucées. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà, ça c'est la connaissance de la réalité. Donc tu dois connaître la réalité céleste. Comment Dieu fonctionne dans le monde spirituel, dans la foi. Et tes prières vont aller plus haut. Maintenant, le cas 2, le deuxième cas. Je lis le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 20. Mm-hmm. La Bible dit ceci. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Dans, par révélation, ici, nous disons que le semeur ici, c'est le croyant, comme nous l'avons dit, le chrétien qui sème. Donc ce semeur, lui, il a compris la parole. L'autre n'a pas compris. C'est pourquoi la parole n'a pas eu d'effet dans sa vie. Donc, on peut dire ici que ce semeur, il comprend les réalités de la prière, les réalités du royaume de Dieu. Vous comprenez? Lui comprend. Il reçoit avec joie. C'est comme vous, vous écoutez cet enseignement, vous êtes joyeux. Mais combien sont ceux qui vont maintenir la joie, qui vont demeurer, qui vont mettre en pratique cet enseignement? Donc, ce semeur, il prie, il sème sur le bon terre. Il sème parce qu'il a reçu la parole. Alléluia. Mais lui-même n'a pas de racine. C'est pourquoi on continue pour dire, la prière est réalisée avec joie, mais sans fermeté. Il est en Jésus, mais il n'a pas la fermeté. Il n'a pas la persistance dans l'espérance. C'est quelqu'un qui n'a pas, c'est-à-dire n'est pas espérant. Il n'a pas l'espoir. Il prie avec joie. Mais après, il se décourage. Combien de vous, vous priez, mais vous vous découragez. Vous manquez de fermeté. Vous manquez de persistance. Alors, la semence qui devait être, qui est entrée sur la terre, en réalité, cette semence qui est la prière,
trouve une occasion de chute. Une occasion de chute dans sa pensée. Parce qu'il a perdu la foi. Il a perdu, il s'est découragé. Et la prière qu'il a semée n'a plus d'efficacité. C'est pourquoi on dit que, en réalité, comme la prière n'a plus d'efficacité, alors c'est plus dessus de bonne terre. Parce qu'il a reçu la parole avec joie. Il a prié avec joie sur la bonne terre. Il a semé sur le bonne terre. Mais en même temps, la prière a trouvé une occasion de chute. Et au lieu d'être sur de bonne terre, il est demeuré sur de terre altérées, sur de terres qui ne sont pas des terres, des bonnes terres. Sinon, celui-là, d'abord, la prière a eu des faits. Je vous ai compris. Hein? C'est comment la personne qui a reçu la parole pour moi. Donc, la prière a eu des faits. Quand ça a des faits, nous parlons de la bonne terre. Mais ça n'a pas duré. C'est-à-dire, au lieu d'atteindre le temps de la récolte, il s'est refroidi en même temps. Et au lieu que ça soit sur cette terre produise de fruits, il y a eu une occasion de chute. C'est pourquoi, au lieu qu'on parle de bonne terre, de la semence, on ne dit plus bonne terre, mais on parle encore de terre atterrée. Parce que celui qui avait reçu la parole, qui avait semé la prière, a au même temps découragé. Et la parole, la prière qu'il a semée, n'a plus d'efficacité. Donc la parole, la prière a quitté la bonne terre. C'est compris? Gloire à Jésus. Alléluia. Donc je relis. La prière étant la semence semée dans des pierres. Tu vois, non, c'est des pierres. Voilà. Parce que, finalement, lui-même n'a pas su garder. C'est-à-dire, la prière. Ah, parce que là où il y a les pierres, il y a quelques moments des chutes de place qui peuvent entrer dans le sol. Vous comprenez? C'est pourquoi il a trouvé une petite terre. Une petite terre bonne dans les pierres. Mais après. Parce que il s'est refroidi, il n'a pas ôté les pierres qui sont là. La prière s'est étouffée, n'a pas eu d'efficacité. Et là, les pierres qui sont là sont devenues une occasion de chute pour la prière de monter. C'est clair? Donc là, nous ne parlons plus de bonne terre. Parce que les pierres ont du pouvoir sur la petite terre fertile cachée sous les pierres. Gloire à Jésus. Amen. Donc on dit, la prière est un semence semée dans des pierres, est la prière réalisée avec joie, mais sans fermeté, sans persistance dans l'espérance, à cause du manque de foi dans les tribulations, dans les tentations du diable. Cette prière ne monte pas, car elle est inefficace à cause du doute. Voilà. Donc, c'est ça une occasion de chute pour plusieurs qui prient. Tu pries, mais après, tu te décourages. Tu pries, tu connais les lois du royaume. Et tu pries réellement pour ça. Tu vas dire, mais je connais ces choses. Je prie, mais tu as abandonné la persistance. Le diable t'a tenté. Et ta prière n'est même pas, n'a pas dépassé les esprits des airs. Ta prière n'a pas eu le pouvoir de monter. Parce que tu as perdu en même temps la foi. Et au lieu que les bonnes terres sur lesquelles la prière a été mise sous les pierres, ces pierres ont attaqué la petite semence qui a été mise sur les terres, sous les pierres, pour que ces prières ne puissent plus monter, elles sont rendues inefficaces. C'est ça la semence inefficace, rendue incapable de pousser par les pierres qui ont été, qui ont empêché la semence de résister. Parce que celui qui a semé la semence est inefficace, comprend les lois du royaume, mais n'est pas en mesure de persister, de persévérer, et cette semence a manqué de persistance. Gloire à Jésus. Amen. Ça, c'est toujours la prière. Troisième niveau. La Bible dit ceci. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voilà. Amen. Ici, nous disons que la prière est toujours la semence. Mmh. Ici, ce n'est pas que la personne a reçu la semence, mais c'est lui qui a semé. Mmh. La semence étant la prière qui est tombée parmi les épines est la prière basée sur des choses de ce monde. La prière qu'on fait, on ne demande jamais les choses spirituelles,
mais on demande uniquement les choses charnelles. Or, les prières, ce que Dieu veut d'abord, c'est que nous puissions demander les choses spirituelles, les choses du royaume de Dieu, pour qu'après, il nous donne les choses terrestres. Mais lorsque nos prières sont, les choses terrestres dépassent les choses spirituelles, les prières ne peuvent même pas monter, parce que c'est les épines. Les choses du monde représentent les épines. Les épines qui empêchent la semence de germer. Alléluia. C'est pourquoi dans nos prières, que 99% ou 99% soit les choses spirituelles et le reste les choses terrestres. Cela ne veut pas dire de pas, je ne dis pas de pas demander les choses terrestres. Non. Nous avons, ce sont des besoins. Oui. J'ai des besoins sur la terre. Chacun a des besoins corporels, des besoins terrestres. Et c'est important, Dieu connaît nos, il connaît ces choses, il nous dit de demander, nos, d'exprimer nos supplications, nos besoins. Mais il faut que la prière soit basée davantage sur les choses spirituelles. Il dit, cherchez les choses d'en haut, dans Colossiens 3. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, cherchons les choses d'en haut. Les choses d'en haut, cherchons-les davantage. Lorsque nous cherchons les choses d'en haut, Dieu nous exauce et nous donne les choses d'en haut et les choses d'en bas. Alléluia. Acclame Jésus. Donc, la prière étant une semence parmi les épines, est la prière basée sur les choses de ce monde. La personne prie, mais les choses de ce monde sont dans son cœur. Il n'a pas été régénéré par Jésus. Il n'est pas né de nouveau. C'est pourquoi il s'impressionne sur les choses célestes et intéresse que les choses célestes. Cette prière est infructueuse. Ça ne peut pas porter de fruits. Cette prière est en réalité une œuvre de la chair. Parce que comme ce n'est plus basé sur les choses spirituelles, elle est devenue une œuvre de la chair. Une œuvre qui ne peut pas, c'est-à-dire entrer dans les dimensions spirituelles. Donc cette prière ne peut pas monter parce que c'est des prières qui ne peuvent même pas quitter la terre. En réalité, c'est le spirituel attire le spirituel. Mais toi, tu dis les choses physiques, tu pries des choses terrestres qui ne peuvent pas attirer le spirituel. C'est comme la loi de Moïse. On utilisait les choses terrestres pour être en communication avec les choses spirituelles. Vaut mieux commencer par les choses spirituelles que finir par les choses et finir plutôt par les choses terrestres. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est à cause de ça que celui-là, il ne connaît pas ce qu'il faut demander. Au lieu de demander à Dieu, en réalité, je vais vous donner un secret. Quand vous priez, au lieu de commander Dieu à souvenir à vos passions, demandez la révélation, comme je l'ai dit au début, que Dieu vous révèle ce dont vous avez besoin. La prière qui monte au troisième ciel, qui dépasse le troisième ciel, qui monte au ciel même, vers Dieu, c'est la prière de celui qui a la révélation même des besoins de son esprit que Dieu seul connaît. C'est-à-dire, dans mes prières, je dois connaître ce que Dieu veut pour moi. La prière que Dieu reçoit, que Dieu agrée, c'est la prière qui exprime les besoins de notre esprit que Dieu connaît. Parce que c'est l'esprit seul qui connaît les profondeurs de Dieu. Lorsque tu arriveras à prier en demandant ce que Dieu veut pour toi, tes prières seront exaucées. Mais si toi tu pars tout autant à demander ce que toi tu veux, qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut, tes prières ne seront jamais exaucées. Et tu vas prier, mais non. C'est pourquoi il faut méditer la parole pour avoir une vie de prière. Lorsque l'on médite, nous avons une vie de méditation, nous pouvons avoir une vie de prière réelle. Parce que dans la parole, Dieu nous donne les choses spirituelles dont nous avons besoin. Mais que lui veut pour que notre esprit adopte. Dieu a des choses d'en haut qu'il veut donner à l'homme. Mais nous devons chercher ce que Dieu veut. Lorsque tu arrives à discerner les choses que Dieu veut pour toi, en les demandant à lui, en les demandant, tu vas voir ces choses s'accomplir dans ta vie. Donc la prière qui monte, la prière agréable, n'est pas la prière où
je m'impose à Dieu. Tu n'as aucune loi à donner à Dieu. Tu n'as aucune imposition à donner à Dieu. Dieu fait ci, Dieu non, je fais comme ça. Non, cherche à connaître ce que Dieu veut pour toi. C'est-à-dire ce que Dieu a déjà préparé pour toi d'avance. Et ces choses ne sont pas d'abord des choses terrestres. C'est des choses spirituelles avant de générer des choses terrestres. Parce que tu ne peux pas avoir une bénédiction matérielle sans d'abord avoir une bénédiction spirituelle. C'est pourquoi nous disons qu'en Christ, la bénédiction est spirituelle et matérielle. Mais si toi, tu commences par demander les choses que toi, tu veux, en oubliant ce que Dieu veut, là, Dieu ne peut pas te soucier. C'est lorsque tu arrives à avoir la révélation sur ce que Dieu veut uniquement pour toi, c'est là maintenant, dit, waouh, ce fils, il a compris les lois du royaume. Reçois ta bénédiction. Amen. C'est compris? Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, demande la révélation. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? C'est pourquoi connaître les saisons. Pour savoir ce que Dieu veut pour l'homme à chaque saison. À quelle saison suis-je dans ma vie chrétienne? Seigneur, la Bible a dit enseigné toutes les saisons. Mais Seigneur, si toi tu es à la saison du début, tu es un nouveau converti, et tu vas demander des choses qui sont dédiées à un ancien, un maître dans la foi, là, Dieu ne peut pas faire autrement de ne pas te bénir, de ne pas t'exaucer. Demande les choses qui sont à ta saison. Et Dieu t'accorde les choses qui sont à ta saison, t'amène à une autre saison et te donne les choses destinées à une autre saison lorsque tu arriveras à cette saison. Lorsque tu arriveras à cerner ce que Dieu veut, ce que Dieu veut pour ton esprit, tes prières monteront et seront exaucées. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc je dis, ces prières qui sont semées parmi les épines représentent les biens de ce monde. Quand je parle des biens de ce monde, je parle des biens charnels qui peuvent nous égarer. Voilà. C'est pourquoi cherchons d'abord les choses spirituelles pour que nous soyons spirituellement bénis d'abord avant que Dieu nous accorde les choses de ce monde. Ce n'est pas que les choses de ce monde sont diaboliques. Ce n'est pas que les biens de ce monde sont sataniques. Non. Mais lorsque tu commences par demander ces choses, la chair, le diable empêche, il bloque ses prières. Mais lorsque toi, tu demandes d'abord les choses d'en haut, du ciel, Dieu lui te donne les choses de la terre. Parce que c'est le spirituel qui engendre le matériel. C'est pourquoi le monde matériel est la matrice du spirituel. Alléluia. Et le monde spirituel est la matrice du monde surnaturel. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous continuons. Gloire à Jésus. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui voilà. qui entend. Nous sommes à la bonne terre. Alléluia. Amen. Donc ici, nous voulons parler de la prière sémée, pas révélation, hein, toujours. Mm-hmm. La prière sémée sur de bonnes terres. Et nous allons comprendre quelle est la bonne terre. Mm-hmm. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Waouh! Il comprend les lois du royaume. La parole est les lois du royaume. Il entend la parole, il comprend les lois du royaume de Dieu. Il comprend comment Dieu opère dans le monde spirituel. Il est assis dans la parole, il est régénéré, transformé, renouvelé. Il est lui-même quoi? Avant de semer, avant de produire des fruits là, hein? Mm-hmm. Sois d'abord la bonne terre. Oui. Oui. Que toi-même, tu sois la bonne terre. Amen. Et que lorsque tes lèvres prient, en réalité, que ce ne soit pas tes lèvres, que ce soit ton esprit. Donc la bonne terre sur laquelle la prière atterrit d'abord, avant d'aller au ciel, c'est notre esprit. Amen. C'est ton esprit qui est la bonne terre. Amen. Parce que si tu pries, et c'est des besoins de la chair. La chair, c'est l'âme et le corps. Or, l'âme et le corps symbolisent quoi? L'homme extérieur. Or, l'homme intérieur, c'est l'esprit. Donc, si toi, tu pries uniquement pour satisfaire les besoins de l'homme charnel, l'homme extérieur, ta prière ne pourra jamais monter sur la bonne terre. Or, la bonne terre, c'est d'abord ton esprit. Ta prière doit nourrir d'abord ton esprit. Lorsque toi-même, tu pries et que ta prière ne te nourrit pas. Moi, quand je prie, parfois, j'utilise les versets bibliques. Et ce n'est pas en citant les versets bibliques, hein. Ce n'est pas un protocole religieux. Mais connais la parole. Tu dois connaître la parole pour que ta prière soit efficace. La parole que tu médites te donne les orientations spirituelles pour la prière. Lorsque tu pries, que tes prières soient des prières basées sur des choses spirituelles. Seigneur, tu as dit dans ta parole, heureux l'homme qui obéit à ta parole, heureux l'homme qui pratique la parole, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Seigneur,
Aujourd'hui, je ne marche plus selon le conseil des méchants, mais je marche selon le conseil de Dieu. Je ne suis plus fils des méchants. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Moi, je ne resterai pas parmi les mauvaises compagnies. Je serai parmi les compagnies célestes. Oh, les compagnies célestes, c'est les anges. C'est les esprits de Dieu envoyés pour moi. Je suis un esprit et je marche avec les esprits. Et le Saint-Esprit me guide à marcher comme un esprit sur la terre. Seigneur, je renonce à tout ce qui est de cette terre. Seigneur, bénis-moi, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux que mon esprit et toi soient un seul esprit. Ça, c'est les prières qui tombent sur de bonnes terres. Amen. Utilise la parole. La Bible dit, ayant été affranchi de Dieu, ayant été affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fruit la vie éternelle. Seigneur, je m'adapte à cette parole. Seigneur, j'ai été affranchi du péché. Tu vas dire que Seigneur, ce n'est pas que tu vas dire Seigneur, affranchis-moi du péché, non. Tu l'as été par la parole. Tu assumes la parole en toi. Seigneur, je suis affranchi du péché par ta parole. Seigneur, c'est pourquoi je porte le fruit. C'est-à-dire, tu répètes la parole de Dieu. Seigneur, tu dis, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour moi parce que je suis en Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, j'entre dans ton royaume. Seigneur, je participe à la justice du royaume de Dieu. Que les lois spirituelles s'appliquent à mon esprit. La Bible dit quelque part que ils prient, mais ils ne savent pas comment prier. Ils demandent des choses, c'est-à-dire des choses qui non agréables. La prière qui réjouit le cœur de Dieu, c'est la parole. Cette prière-là, c'est la parole. C'est pourquoi Jésus utilisait la parole en parlant de la reconnaissance. Mais nous parlons de la prière qui est la semence. Mais tu ne peux pas s'aimer sans avoir la semence en toi. Donc Jésus ne parlait pas connaissance en parlant de la parole qui est la semence que nous recevons en nous. Et c'est la parole qui est la semence que nous recevons en nous que nous allons semer. Donc si toi-même, tu n'es pas la semence, tu ne peux pas semer. Si en toi-même, la parole qui est la semence selon la connaissance n'est pas en toi, dans la révélation, tu ne peux pas semer la prière. Donc, si tu n'as pas la parole de régénération, quand tu pries là, tu vas prier dans la chair. C'est pourquoi parfois, beaucoup prient, mais ne savent pas quoi demander. Certains chrétiens même disent, oh, je ne sais même pas quoi dire. Quand j'entre en intimité, qu'est-ce que je vais dire? Parce que tu ne comprends pas la parole. C'est parce que tu ne comprends pas la parole, tu ne lis pas la parole, tu ne médites pas la parole. Pourquoi Dieu dit méditer jour et nuit? La loi. Cette loi, c'est la loi spirituelle. Médite jour et nuit le livre de la loi. Ça, c'est la loi spirituelle. Médite jour et nuit la sainte doctrine esprit. Cherche à comprendre les profondeurs de Dieu. Et là, tes prières vont être agréables à Dieu. Quand tu te mets à genoux, tu ne commences pas à répéter des paroles en ligne. C'est pourquoi Jésus disait quelque part, quand vous priez, ne multipliez pas des paroles, des vaines paroles, pensant que c'est en force de paroles que vous serez aussi. Effectivement, parce qu'ils n'ont pas la parole de vérité, l'esprit de la parole, ils commencent à multiplier des paroles Chanel. Quand on dit vaines paroles, ce n'est pas des paroles bibliques, des paroles spirituelles. Hein. C'est-à-dire, on commence à prier, on ne connaît même pas quelle prière fait à quel moment. Quand tu veux une grâce, il y a des prières bibliques pour ça. Quand tu veux, quand tu veux que quelque chose s'accomplisse dans ta vie, il y a des prières typiques, spéciales, basées sur les requêtes que nous demandons. Et tout ça, c'est dans la Bible. Mais toi, tu pries comme on danse. Gloire à Jésus. La prière, c'est une formation. Tu dois être formé par la parole. C'est pourquoi par connaissance, Jésus lui parle de la parole que tu dois recevoir d'abord. Reçois la parole et dans la révélation, sème la parole. La prière est la semence de la parole. La prière est ce que nous avons reçu de Dieu, que nous lui transmettons. Lui va voir si en réalité tu l'avais reçu de lui. Si tu n'as rien reçu de Dieu, tu ne peux rien transmettre à Dieu. Si tu n'as pas une vie de méditation, tu ne peux pas avoir une vie de prière. Yeah. Ah, ça devient compliqué. Hein. Parce que certains même sont fatigués de prendre la Bible. Ils voient la Bible comme un document. Quand la Bible devient pour toi comme... Ça devient un document comme un roman, sache que tu n'es plus spirituel. La Bible est d'abord la lettre. Mais dans la Bible, il y a l'esprit. Donc quand moi je prends la Bible là, moi, je ne vois pas un roman simple. Je vois la lettre d'abord, qui est d'abord littérale. Mais je vois l'esprit de la parole. Je reçois la semence. Je reçois dans mon cœur, dans mon esprit, la semence.
et à mon tour, je sème. En réalité, c'est la loi du donner et de recevoir. Ou bien de la loi de la réception et du donner. Je reçois la parole de Dieu. La parole est sémée dans mon cœur. Et à mon tour, je sème encore la parole où? Je sème d'abord la parole dans mon cœur avant que la parole monte au cœur de Dieu. C'est-à-dire, la prière qui tombe sur de bonnes terres est d'abord la prière qui provient d'une parole divine reçue dans le cœur qui donne le boost nécessaire permettant à celui qui reçoit cette parole dans le cœur à son tour de semer dans le cœur. La loi de la semence. Dieu sème en nous la parole, nous semons en lui la parole. Amen. C'est-à-dire, Dieu sème dans notre cœur spirituel la parole. À mon tour, la parole que j'ai reçue de Dieu, je la sème à nouveau dans mon cœur spirituel. Or, dans mon cœur spirituel, Dieu habite. Mon cœur spirituel est l'habitation de Dieu. C'est pourquoi on dit que notre corps est le temple de Dieu. En réalité, ce corps dont on parle n'est pas le corps terrestre, physique que nous touchons, le corps. Non. Le corps qui est le temple de Dieu réellement, d'abord, c'est l'esprit. L'esprit de tout homme est l'homme intérieur. Je parle de l'esprit régénéré qui est l'homme intérieur. Or, dans l'homme intérieur, il y a un cœur qui n'est pas semblable au cœur charnel. C'est pourquoi la Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Or, il y a encore un autre cœur qu'on appelle le cœur tortueux. Quand la Bible dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, ce cœur n'est pas le cœur spirituel, mais c'est le cœur charnel qui est lié à la chair, qui obéit aux yeux de la chair. Donc Dieu habite dans notre cœur, mais dans l'esprit, dans l'homme intérieur. Or, l'homme extérieur a aussi son cœur, qui est un cœur qui s'affectionne aux choses de la terre, aux pensées de l'impur. L'homme tortueux a un cœur tortueux, mais un cœur charnel. C'est pourquoi Dieu habite notre cœur spirituel dans le but. Oh là là, pourquoi l'esprit va habiter notre cœur spirituel? Parce que l'esprit sait que nous ayons donné sa parole. Parce que lorsque l'esprit nous donne la parole de Dieu, l'esprit pénètre notre esprit. Et nous recevons la semence sur de bonnes terres. La terre, c'est notre esprit. Et la semence que nous recevons, c'est la parole incorruptible de Dieu pour notre régénération. C'est pourquoi dans le livre de 1 Pierre, l'Écriture dit que nous avons été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible. Alors, lorsque nous recevons cette parole en nous, cette parole est esprit et vie dans notre cœur spirituel. Cette parole est en réalité le Saint-Esprit qui vient habiter dans notre esprit. Or, dans notre esprit, il y a deux types de personnes qu'on appelle les chérubins. De la même manière qu'ils étaient sur l'arche de l'alliance. Le premier et le deuxième. Leur but de faire quoi? C'est de glorifier Dieu dans notre esprit, mais aussi de représenter les anges qui transportent la semence de notre esprit vers le trône céleste de Dieu. Amen. Ils n'ont pas compris. Notre esprit, dans notre esprit, il y a un cœur spirituel. Et Dieu habite dans notre esprit. Maintenant, Dieu habite dans notre esprit par deux types de témoignages. Le témoignage que nous sommes nés de Dieu dans notre être intérieur et le témoignage que nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit dans notre homme intérieur. Et ces deux anges sont les anges chérubins qui glorifient Dieu dans notre esprit. Mais en réalité, dans la révélation, on dit aussi que ces anges représentent juste le Saint-Esprit qui fait quoi? Qui, lorsque nous, à notre tour, lorsque Dieu sème la parole, Dieu habite dans notre esprit. Mais nous, à notre tour, lorsque nous recevons la parole et que nous la sémons dans la prière, à nouveau, le Saint-Esprit dans notre esprit qui donne des ordres à ses anges, transfère la prière qui est dans notre esprit pour l'envoyer vers le trône de Dieu. Et Dieu reçoit la prière. C'est pourquoi la bonne terre, selon la révélation, c'est notre esprit régénéré, ou encore appelé le trône de Dieu dans notre esprit qu'on appelle le cœur spirituel. Acclame Jésus. Amen. Donc, si ta prière tombe sur la terre physique, ça ne montera pas. Si ta prière tombe sur l'âme et le corps, ça n'entrera pas. Parce que ces choses, c'est effectivement des choses qui font guerre à l'esprit. Parce que eux, ça fait sonner aux choses de la terre. Laisse ton esprit couvert par le Saint-Esprit, assujettir ton âme et ton corps pour que ton âme soit aussi pure. Alors, la prière qui monte dans ton esprit est en réalité le produit ou
la conséquence de la parole que tu as reçue sur, sur ton cœur, qui est ton homme intérieur, l'esprit. Donc, la parole doit d'abord entrer dans ta terre. Or, ta terre, qui était une terre altérée, doit être une terre arrosée par la parole. Et lorsque cette terre est arrosée par la parole, cette terre fait quoi? Produira des fruits. Donc, c'est notre esprit qui est en réalité le sommet où la parole a été reçue. Et la semence qui est la prière doit être semée pour que les anges y apportent cela dans le ciel. Amen. Acclame Jésus. Amen. Donc, la bonne terre, c'est quoi? C'est notre esprit. Gloire à Jésus. Amen. Jérémie 4, 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Ah. Et ne semez pas parmi les épines. Un champ nouveau. Le champ, c'est la terre qui doit recevoir la semence. Mmh. Or, la semence ici, c'est la prière. Mmh. N'est-ce pas? Oui. Et nous, je dis que la semence qui est la prière n'est que la semence de la parole par connaissance que j'ai reçue dans mon esprit. Parce que selon la connaissance, Jésus parle de la parole reçue par semence. Alors, cette parole reçue par semence dans mon esprit. Maintenant, je dois créer un champ. Un champ comment? Nouveau. Nouveau pour que la... Oh là là. Pour ne pas s'aimer dans les épines. Amen. C'est pourquoi purifier notre esprit. Que le sang de Jésus lave notre esprit, enlever les épines, enlever les pierres, enlever quoi encore? Enlever le long chemin qui est rempli de d'herbe, rempli de désordre, enlever les pierres, les grosses pierres, enlever quoi aussi? Les montagnes, enlever les herbes, enlever les épines, enlever les piqûres, pour que sur notre terre, notre esprit, il y ait une terre abondante, une terre qui sera fertile lorsque qu'elle sera arrosée. Ah, gloire à Jésus. Donc, notre esprit doit être purifié pour recevoir la pluie dont nous parlons, pour la récolte. C'est un esprit régénéré qui produit de bons fruits. C'est pourquoi beaucoup prient, mais ne sont pas régénérés, ne sont pas nés de nouveau, ne sont pas purifiés d'esprit. C'est pourquoi ils produisent des œuvres charnelles. Que le Seigneur nous aide à pratiquer sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, lisez Jérémie 4 encore. Donc, la Bible dit, « Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. » Amen. Donc les épines, c'est les péchés, c'est les choses de ce monde, les pierres, c'est les tentations, les persécutions. Le champ nouveau sera défriché. Les soucis. Et pour que les soucis de ce siècle et les biens de ce monde disparaissent, les démons disparaissent, les démons soient vaincus, pour que la personne soit d'abord délivrée et son esprit devient purifié. Amen. Pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit sera là, le Saint-Esprit va produire en lui des fruits, des bons fruits. Amen. Et c'est ces bons fruits que nous appelons les œufs de la foi. Alléluia. Amen. Donc enlevons ces choses. Amen. Donc quand tu pries là, avant de même prier, enlève, défriche. Amen. Selon ce verset, oui. Défriche ton champ. Ton champ, c'est ton cœur. Mais le cœur dont je parle, ce n'est pas ce cœur. C'est le cœur spirituel, le cœur invisible qui est dans ton esprit, qui résonne selon, qui doit résonner selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit que comme Dieu habite dans ton cœur spirituel, comme Dieu habite dans ton homme intérieur, dans ton esprit, est-ce que c'est tes propres volontés de la chair, ton âme et ton corps que tu vas chercher? Non, tu dois chercher les choses dont le Saint-Esprit a besoin. Bon, c'est lui qui console la nourriture et la donne à ton esprit. Amen. Oh, la nourriture dont il a besoin, c'est la parole qu'il te donne. Amen. C'est comme je te donne et tu me donnes. Nous nous donnons et nous nous donnons. Non. Amen. Je te donne, tu reçois, tu me donnes. Amen. C'est ça la loi de l'échange entre le Saint-Esprit et l'homme intérieur. Que la gloire soit rendue à Jésus. Amen. Donc, voilà, défrisons le champ pour que la terre soit une terre non altérée, mais une terre fertile, préparé pour recevoir la pluie, pour recevoir, pour porter de bons fruits lors de l'époque de la moisson. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, la prière étant une semence dans la bonne terre, est une prière faite conformément à la volonté de Dieu, conformément à la parole de Dieu, conformément aux lois spirituelles de la sainte doctrine. C'est une prière c'est une prière qui a de persistance. C'est une prière qui a de fermeté. C'est une prière de la vie de quelqu'un qui est ferme, qui est persistant. C'est une prière qui est faite quand les pierres ont été roulées.
C'est une prière qui est faite quand les épines ont été retranchées. C'est une prière qui est faite quand les biens de ce siècle qui rendent futurs ont été enlevés, comme l'avons dit. C'est une prière qui est faite dans les saisons, dans la meilleure saison. Nous allons parler de la saison quand nous allons entamer la deuxième partie. La prière qui est faite dans la plus meilleure saison. Il y a une saison à laquelle nos prières doivent monter. Mais si tu rates cette saison, tu vas prier, prier, mais zéro. Je ne dis pas qu'il y a des heures de la journée où on doit prier. Ah, mais dans les temps prophétiques doctrinal, spirituellement, doctrinaux, les temps prophétiques doctrinaux, spirituellement, il y a des saisons spirituelles où nous devons saisir le Saint-Esprit, semer le Saint-Esprit dans le Saint-Esprit pour pouvoir avoir exaucement à nos prières. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, c'est ça, je disais que cette prière porte de fruits. C'est une prière basée sur les choses d'en haut. C'est une prière qui monte au Père. Parce que d'abord, la représentation du Père, c'est le Saint-Esprit, l'âge de l'alliance dans notre esprit. Or, c'est notre esprit qui est le trône de Dieu. Or, le trône de Dieu, c'est le lieu très saint. C'est une prière qui monte au lieu très saint, dans notre esprit, et qui est l'image, représentation invisible, dans la visibilité, dans notre esprit, qui est l'image des choses célestes dans l'invisible, dans l'éternité. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, cette prière est un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu. Cette prière, Dieu l'agrée, et aucune chair, aucun démon, aucun sorcier, aucun esprit ne peut empêcher cette prière de monter au ciel. Gloire à Jésus. Donc, nous sommes à la fin de la première partie de notre série d'enseignements sur l'échelle de Jacob. Parce que l'échelle de Jacob, c'est la deuxième grande partie de la série d'enseignements sur les sept aspects prophétiques et doctrinaux du trône de Dieu selon les dispensations. Donc, nous sommes en train d'aborder la septième partie de la grande série. Mais précisément, le premier sous-thème de l'échelle de Jacob qui parle de la prière. La prière. Donc, nous allons parler de la prophétie plus tard. Mais nous allons encore parler. Oh là là, il y a une révélation sur la prière que nous n'avons pas encore abordée. Veux-tu le savoir? Voulez-vous le savoir? Amen. Dans la deuxième partie, le sous-thème de l'échelle de Jacob, nous aborderons une autre réalité des prières. Amen. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Amen. Ce sera merveilleux. Nous allons goûter à la révélation de la parole. Prions. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Seigneur, tu nous as dirigés pendant le début de cet enseignement. Ça, cela n'a pas été facile parce qu'il a nécessité plusieurs préparations. Oui, mais ton esprit a été au rendez-vous. Amen. Et tes enfants ont été renouvelés, édifiés, fortifiés, formés. Amen. Remplis-nous davantage de connaissances pour que nous puissions atteindre la deuxième partie. Amen. Expliquer les lois spirituelles du royaume de Dieu. Amen. Pour que nous soyons justes en Amen. Pratiquant la justice du royaume de Dieu. Que ton nom soit glorifié, Alléluia. Élevé. Alléluia. Seigneur, édifie ton peuple. Accorde la révélation de la parole à tes enfants. Amen. Mets en eux la semence de la parole Amen. Pour qu'ils grandissent, soient renouvelés, fortifiés. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Shalom. Shalom.